Donc du coup, dans l'idée, là, par rapport à la perception de soi et de l'environnement, en fait, elle est extrêmement variable et évolutive. En fait, ça dépend de nos expériences passées, de l'environnement qu'on voit sur le moment, de l'état d'esprit aussi dans lequel on est sur le moment, des objectifs qu'on s'est fixés aussi pour le tournoi et pour les parties qu'on est en train de faire là. Donc du coup, c'est vrai qu'avec le cas du placement en tournoi, c'est assez particulier parce qu'on a toujours ce dilemme là, comme tu disais, sécurité ou risque. Ben, en fait, du coup, l'idée, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Dans l'idée, c'est ok, vous dire là ce soir, en fait, pendant ce tournoi là, qu'est-ce que je suis venu faire? Est-ce que je suis venu tester mes capacités vraiment d'adaptation pour arriver à voir comment je suis flexible, comment j'arrive vraiment à sortir du jeu à des moments, à provoquer la chance, à jouer vraiment plutôt sur une manière risquée. Donc là, viser, comme tu me disais, le top 8 ou top 5 pour être payé et avoir une belle place en tournoi. Ou est-ce qu'en fait, ce soir, j'ai envie de sécuriser ben, la plupart de mes coups et me dire, bon, ben, ok, de toute façon, là, quoi qu'il arrive, je récupère ma mise ou j'en suis là. J'ai envie de mettre ça en place pour faire en sorte que du coup, je sois très prudent. Donc vraiment se dire, bon, ben, ok, là, la première astuce pour ce cas-là, du coup, c'est de la fixation d'objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ce soir sur le tournoi? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Qu'est-ce que je suis venu travailler? Qu'est-ce qui va me permettre derrière de progresser, d'être meilleur dans ce que je fais ou de prendre plus de plaisir pour ce tournoi-là? Qu'est-ce que je vais mettre en place réellement? Est-ce que je vais être plutôt prudent ou audacieux ce soir? Si je peux compléter pour que ça parle du coup au plus grand nombre, c'est en gros, tu me dis si je me trompe, mais c'est avant de lancer votre session tournoi ou cash game, mais bon là c'est par rapport au tournoi, c'est à ce moment-là, c'est au départ d'essayer de se fixer un objectif, alors que la plupart d'entre nous, on lance nos sessions et puis au bout d'une heure, au bout de 2 heures, on va voir quelle est l'évolution de notre tapis, où on se situe, et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, bon bah allez, peut-être là, ça part pas très bien, je vais essayer de rentabiliser au moins, rembourser mon inscription, ou au contraire, ça part super bien, je vais essayer de figurer dans le top 10 et faire un gros gain. Mais ce que dit Alex, c'est qu'il faudrait faire ce travail en amont, avant de lancer la séance, et de vous fixer votre objectif de la soirée. Et il peut ne pas être identique à chaque séance, finalement, à chaque session. Vous pouvez avoir envie de viser naturellement le haut pour faire des grosses places, mais vous pouvez aussi essayer de mettre en place des choses que vous avez travaillées hors des tables avec quelqu'un, un point faible que vous aviez, que vous avez essayé de bosser et de vous dire, ben là, mon objectif de la soirée, ça sera peut-être pas le résultat, mais ça sera essayer de mettre en place ce que j'ai vu et là où je dois travailler. Et tu vas nous le dire sûrement après, mais c'est souvent là que on fait abstraction des résultats et que les résultats peuvent venir par la suite finalement. Ne pas se fixer un objectif de résultat, finalement, non? Tout à fait, ouais. En fait, les objectifs de résultat, généralement, ils mènent pas forcément à la manière dont on va faire notre action, notre événement. En fait, du coup, en mettant un objectif de comment je vais faire, de la manière, de la façon dont je veux faire mon tournoi, par exemple, bah, en fait, bien souvent, ça va m'amener au résultat indirectement. Donc, du coup, l'idée, c'est se fixer sur des objectifs de jeu, de maîtrise, qui vont amener en fait au résultat et pas forcément viser, ben là, je veux être dans le top 10, je veux être dans le top 5 pour être payé, pour avoir une grosse mise. Une grosse récompense, je veux vraiment, bah, par exemple, arriver à mieux jouer sur telle ou telle étape, à être plus concentré, à être plus motivé, à avoir plus confiance en moi. Ok, derrière ça, en fait, comment je fais pour être plus concentré? Bah, par exemple, ok, ça va être, imaginons, ok, là je suis en train de jouer, bah, par exemple, toutes les deux parties, bah, ok, par exemple, je regarde un peu partout comme ça pour arriver à recharger ma concentration et d'un coup, au moins, je vais pouvoir me refixer ici. Et en fait, je pense qu'à ce seul objectif sur tout le tournoi, dans le sens où en fait, si je m'en mets plein, ben, ça va vous embrouiller l'esprit, ça va faire qu'après, derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de pensées, et ça va trop vite, on est perdu. Donc l'idée, c'est d'avoir un objectif très clair sur ce que je veux travailler ce soir. Et vraiment un objectif de jeu ou de maîtrise. Le résultat, il viendra après. Pour compléter ce que Alex dit, et une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps et qui est intéressante, c'est que tu coaches des gens qui sont dans le tennis ou dans d'autres sports comme ça. Le poker, à l'inverse, c'est un des rares jeux ou sports, entre guillemets, où tu peux très mal jouer et gagner un tournoi. Et à l'inverse, tu peux faire ton meilleur jeu, prendre toutes les bonnes décisions le mieux possible et être éliminé en début de tournoi ou ne pas aller au bout. Donc, c'est vraiment important ce qu'il dit, c'est-à-dire ne pas se fixer un objectif de résultat parce que vous pouvez très bien gagner un tournoi en ayant très très mal joué. À l'inverse, si vous fixez un objectif de, tu disais, de maîtrise en termes de jeu, de bonnes décisions, etc., de comportement, si vous arrivez à faire ça, au bout d'un moment, sur le long terme, les résultats viendront de manière
plus logique. Exactement. Et puis du coup, dans l'idée, tu disais très bien en tennis, ben, du coup, c'est vraiment c'est un peu plus facile à voir dans le sens où si je joue vraiment bien, j'ai de fortes chances de gagner. En poker, ce n'est pas forcément le cas. Mais par contre, en tennis, ça arrive aussi très rarement que le joueur qui perde ait gagné plus de points que le joueur qui gagne, en fait. Dans le sens où s'ils sont passés au bon moment et ils ont été bien alignés d'affilée ces points-là, ben, en fait, le joueur qui gagne n'a pas besoin de beaucoup de points. Alors qu'autant, le joueur qui perd aura gagné plus de points, aura fait plus de coups gagnants que lui. C'est en ça où des fois, ben, c'est un peu ingrat, quoi. Et si on se base que sur le résultat, ben, on n'est pas du tout lucide sur ce qu'on vient de faire. Dans le sens où même si j'ai très bien joué, fait des très bons coups, ben, autant j'ai perdu. Donc si quand je perds, je suis triste et quand je gagne, je suis content, ben, ça ne peut pas aller. On voit bien avec cet exemple-là que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Okay. Et donc, du coup, sur le cas suivant, de confiance en soi, croyance. Ouais. Donc du coup, au niveau de la confiance en soi, de la croyance, ben là, c'est vraiment la deuxième astuce que je vous ai mis avec la valorisation, la communication positive et active, en fait, pour faire tourner son cerveau de la meilleure manière possible. Pendant que vous êtes en train de jouer, valorisez-vous à fond. Faites-vous, ça s'appelle de l'auto-persuasion. Faites-vous de l'auto-persuasion comme quoi que vous êtes fort, que vous avez énormément de chance, que vous êtes vraiment, vraiment bon et que ce soir, ça marche pour vous. Mettez-vous en place des croyances, des idées, des pensées, des phrases peut-être toutes faites, des mots que vous avez imaginés avant pour valoriser tout ce que vous faites. Communiquez de la meilleure manière possible avec vous-même, dans le sens où en fait, au plus vous ferez ça pendant la partie, au plus vous aiderez votre cerveau à fonctionner de la meilleure manière possible. Au moins pendant la partie, du moins. Au moins pendant le tournoi. Après, si vous voulez vous dévaloriser dans le reste du temps, bah ça vous regarde. Mais c'est vrai que le but pendant le tournoi, c'est d'être vraiment hyper confiant, d'avoir des croyances très très fortes, de se valoriser, de communiquer au mieux avec soi-même. Oui, j'aurais envie de dire la chance appelle la chance, ou les bonnes pensées appellent la chance, entre guillemets. Et on pourrait penser l'inverse aussi, c'est-à-dire que les gens qui vont avoir tendance à se dévaloriser, à dire non mais de toute façon j'ai la poisse, et on a l'impression que ça va l'attirer aussi du coup. Donc si déjà vous-même vous croyez pas en vous, qui va croire en vous, quoi, en gros. Donc essayez d'avoir confiance en vous, alors peut-être pas trop non plus arriver à se remettre en question aussi, mais au moins croire en ce qu'on fait. Ouais, ok. Et du coup aussi, même par rapport à ce point aussi, je pourrais rajouter dans l'idée qu'en fait, ce truc-là, là, que tu dis, Nico, c'est très vrai, ça s'appelle la loi de l'attraction. Hein. La loi de l'attraction, en fait, dans l'idée où, pour le coup, tout ce que j'amène, tout ce que je sors de moi, tout ce que je pense en moi, ben, je vais attirer le même genre d'onde, le même genre d'énergie, le même genre d'idée, le même genre de comportement. Si je suis très gentil avec les gens, je vais avoir tendance à attirer des gens qui sont très gentils avec moi aussi, qui me rendent ce comportement-là. Il y a des gens qui croient que s'ils sont dans quelque chose où ils ont la poisse, où ils ont la malchance, tout ça, machin, ben c'est à vie, en fait. Ah non, moi, j'ai jamais de chance. Alors qu'en fait, pour le cerveau, comme le cerveau, il est plastique, flexible, il va très, très vite, ben en fait, si d'un coup, vous mettez sur un canal qui est positif, qui fait que vous êtes bien, que vous avez de la chance, que vous croyez en vous, tout ça, ben le cerveau, il va changer, tac, quasi instantanément, pour se mettre sur un truc qui vous fait du bien, qui est important pour vous. Voilà, c'est ce que je pourrais rajouter au niveau de ce cas-là. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Le cas de la malchance, oui, dans l'idée, et les excuses, et les éléments extérieurs. Ah ouais, bah c'est pas de ma faute et tout. Moi, je suis un très très bon joueur. Il faut que tous les éléments extérieurs ils soient mis en place, ils soient là, ils sont présents pour que je puisse jouer du mieux possible. Bah ça, du coup, dans l'idée, c'est très humain. Et en fait, on le fait très souvent dans le sens où, en fait, ça va taper notre ego, comme on disait juste avant. En fait, du coup, c'est vrai que moi, je suis un très bon joueur. J'ai envie d'être toujours un très bon joueur. Si je perds, c'est jamais de ma faute. Pour moi, c'est facile. Il y a des excuses. C'est pas moi qui l'ai fait. Hop, à chaque fois que moi, je fais vraiment un truc et que ça marche, ben, c'est que moi qui ai réussi. C'est que moi, vraiment. Donc, du coup, c'est vrai que dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là, ben, du coup, de temps en temps, imaginez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, là, par rapport à sortir de soi, prendre un pas de recul, se dissocier comme ça, et regarder de l'extérieur comment vous, vous jouez, comment vous, vous êtes, et ce qui se passe dans l'environnement. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez l'impression d'avoir un côté plus neutre, en fait, quand vous êtes sorti de vous, ça vous permet d'être plus neutre, de faire un pas de recul sur la situation. Hop, remettez-vous dans votre peau, comme ça, comme si vous vous réimaginiez dans le jeu, de l'intérieur du jeu. Et avec tout ce que vous avez pu récupérer comme info, en regardant avec ce pas de recul, en prenant vraiment quelque chose de plus neutre. Et ben du coup, là, ça va vous permettre, ben, peut-être d'expliquer certains trucs et dire, bon, ben, ok, là, quand même, j'ai eu des coups vraiment forts.
Et en fait, ben, c'est plutôt une fois sur trois où j'ai pas de chance. Mais ce coup-là, des fois, ça arrive sur un gros coup, donc ça me tape la tête. Et moi, comme je suis concentré que là-dessus, ben, je vois que les coups qui ratent. Mais autant peut-être que deux fois sur trois, eh ben, je réussis énormément. Bien souvent, on a tendance à regarder les choses plutôt qui ratent, qui nous font mal, qui nous font ben, perdre. Ou c'est souvent ça, pour le coup, pour le cerveau humain. Donc, je sais pas si toi, tu voulais rajouter Oui, des choses là-dessus. j'essaie de voir quel peut être le lien par rapport d'un point de vue concret par rapport aux gens qui jouent aux tables en live ou sur Internet. Et c'est vrai que on va souvent avoir tendance à se rappeler dans ces cas-là que des mauvais coups qu'on a reçus. C'est-à-dire qu'on va passer toute une soirée sans s'en rendre compte. On va avoir 8 ou 10 coups de chance. Et on va avoir trois coups de malchance qui vont finalement nous faire sortir d'un ou plusieurs tournois. Et on va retenir que ça. On va en parler aux collègues, on va poster les mains sur les réseaux sociaux, etc., en disant non, mais regardez par quoi je me suis fait sortir, etc. Et si on reste dans cette bulle-là, à pas se remettre en, c'est pas à se remettre en question, mais aussi à voir les côtés où, à l'inverse, on a eu de la chance, ben, on progressera pas, entre guillemets, on va être axé que sur ça. Et donc, ce que dit Alex, c'est de s'imaginer de l'extérieur ce que tu as écrit en bas, c'est-à-dire sortir un peu de sa bulle, de son enveloppe. Et essayer de quelque part se remettre un peu en question et dire bon, j'essaie de manière très lucide de me rendre compte qu'est-ce qui s'est passé ce soir. Est-ce que, bon, là, ok, je me suis fait sortir deux, trois fois par des mauvais coups, etc. Mais moi, à l'inverse, si j'ai un tracker, un replayer, etc., je vais revoir mes mains, ben, je vais essayer de me rendre compte. Ah ben oui, là, j'ai eu du bol, là, j'étais à la rue complet, j'ai eu de la chance. Bon, finalement, je vais relativiser un petit peu, je m'en sors pas trop mal. Et vous pouvez avoir une soirée où ça se passe très très bien, une soirée où ça se passe très très mal, mais en général, sur le long terme, ça s'équilibre quand même pas mal. Et un joueur qui joue 1000 tournois dans l'année ou plus, il aura autant de malchance qu'un autre, quoi. On est tous sur la même base, donc arriver à sortir un petit peu de son enveloppe et regarder comment ça s'est passé concrètement.